Bruxelles et puis quelques centaines de kilomètres ici, sur le deuxième prototype qui double toutes les qualités du premier. Petite place, 110 à l'heure, 400 km d'autonomie, il double toutes les qualités du premier. Donc combien 300 km d'autonomie? Celui-là, 200. 200, ah oui, c'est le deuxième modèle. Le troisième modèle, parce que le deuxième modèle, il fait 400, mais il est très petit. Il a à peu près la même taille, mais c'est pour deux personnes. Il n'y a plus de pédalier. Si on enlève le pédalier, on gagne beaucoup. Et le confort dans l'autre véhicule? Mieux, parce qu'il y a du chauffage, il y a une climatisation, il y a MP3, il y a tout ça. Tu as une idée du prix, Xavier, du modèle présenté que tu as présenté au salon? On y travaille. On n'a pas encore l'idée de... Non, pas encore. Mais ce sera de toute façon plus réaliste que d'acheter une voiture normale avec laquelle on dépense de toute façon du carburant chaque année. Oui. Donc oui. L'électricité, c'est ça le grand avantage, c'est que ça coûte à peu près 50 euros à l'année de rouler à l'électricité. Il suffit d'habiller un peu chaudement. Rendez-vous le 3 mars à la Ligue des Optimistes et il y aura la projection du film Dakar, Bruxelles, No Oil. Puis c'est toutes les découvertes, les rencontres avec les gens, tous les échanges qu'on a eus sur un monde futur, un monde sans pétrole, comment on va faire. Et on constate qu'en fait, les plus intéressés ne sont pas forcément ceux qu'on imagine. Et il y a beaucoup de solutions qui sont présentées durant tout le film. Voilà, 3 mars, on rappelle la date, le 3 mars, et c'est ici, en Optimistan, à la Ligue des Optimistes, au 1 rue Avenue Alfred Solvay. Merci Xavier, et rendez-vous le 3 alors. Tu seras présent, hein? Tout à fait, merci.